seconde table ronde qui est dédiée aux réponses en matière de politique publique pour soutenir les acteurs de terrain. J'ai le plaisir d'accueillir Madame Myrène Bengoa, qui est actuellement directrice de SOS Action Internationale, ancienne directrice de la Fondation Chanel et fondatrice de ONU Femmes. Oui, bonjour tout le monde. Cette deuxième table ronde se fera en anglais. Je suis ravi d'être parmi vous et de pouvoir poser la deuxième liste des questions que nous allons poser à nos membres du panel. Le thème dont nous allons parler aujourd'hui, c'est la diversité des politiques publiques en faveur de l'ESS et l'économie inclusive lors de cette phase post-Covid. Nous avons entendu beaucoup de solutions formidables qui ont déjà été présentées par les précédents membres du panel et je serais ravi de donner la parole à nos intervenants. Tout d'abord à M. Renan Nyang, qui est ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Promotion des investissements du gouvernement du Mali. Ensuite, nous donnerons la parole à M. Mario Limoges, qui est sous-ministre adjoint au secteur de l'entrepreneuriat, de la compétitivité des entreprises et des régions du ministère de l'Économie et de l'Innovation du gouvernement du Québec. Et ensuite, nous donnerons la parole à Madame Camara Fatima Traoré, qui est la première adjointe du maire de Bamako au Mali. Ensuite, nous donnerons la parole à Monsieur Vic Van Vuren, qui est président du groupe de travail Interagence des Nations Unies sur l'économie sociale et solidaire et directeur de l'équipe de gestion des entreprises à l'Organisation internationale du travail. Et nous donnerons enfin la parole à Madame Emmanuelle Ridel-Drouin, qui est directrice du département transition économique et financière de l'Agence française de développement français, Donc, les premières questions auxquelles nous allons répondre d'abord concernent comment nous avons réagi lorsque nous avons dû promouvoir les politiques publiques afin de soutenir le SS. Comment est-ce que vous avez pu présenter les législations? Comment vous avez pu donner un soutien immédiat de la part de vos départements respectifs au niveau national et régional? Donc, nous allons entendre de Monsieur Renan Nyang du Mali. Vous avez la parole. I do not think you have your mic on. Je pense que vous devez activer votre micro. Nous allons peut-être dans ce cas, we will probably begin with our representative from the government of Canada. Dans ce cas, nous allons commencer avec le représentant du gouvernement du Canada, Monsieur Mario Limoges, si vous souhaitez prendre la parole. Merci, Madame Bengoa. Alors, bonjour à tous. Bonjour à tous les participants aujourd'hui, les panélistes, évidemment, les ministres présents aussi. J'ai eu la chance de participer à PAC for Impact à Paris en 2019 avec Madame la ministre Proulx qui m'accompagnait, que j'accompagnais à ce moment-là. J'espère qu'on va pouvoir le refaire en présentiel bientôt. Comme le disait Madame Noya, le PAC for Impact, la feuille de route 2021, c'est évidemment c'est une inspiration, je pense, pour la suite des choses après ce qu'on a vécu tout le monde dans la dernière année. Et je peux vous mentionner que nous, ici au gouvernement du Québec, comme Mme Riddlestone vient juste de le mentionner, on a confiance beaucoup à l'entrepreneuriat social et aux entrepreneurs sociaux. Et donc, c'est certainement dans ce sens-là aussi qu'on va essayer de faire l'architecture des politiques pour le reste des choses au niveau de l'économie sociale. Donc, je suis très heureux donc de participer aujourd'hui. Alors, quelles ont été les mesures qu'on a mises en place dans la dernière année? Je dois dire d'abord qu'on a au gouvernement du Québec un plan d'action gouvernemental en économie sociale. Et il était dans son renouvellement dans la dernière année et c'est ce qu'on a fait malgré la pandémie. Alors, c'était quand même un plan qui est sorti des crédits de 137 millions et plusieurs mesures de soutien
ont été mis en place, donc des mesures de soutien d'urgence là, spécifiques aux entreprises d'économie sociale. Et portant plus spécifiquement donc sur le soutien financier, parce qu'évidemment, on croit que pour la suite des choses, dans les régions, au niveau local, au niveau régional, il va y avoir une grande mutation donc de l'entrepreneuriat. Et on croit à l'entrepreneuriat collectif pour prendre en charge justement cette relance économique-là partout au Québec. Donc, notamment des mesures de soutien d'urgence qu'on a mis spécifiques, qu'on a mis en place dans la dernière année. Il y a près de 15 millions de dollars qu'on a mis à l'intérieur de 3 fonds d'investissement pour les entreprises d'économie sociale. Le fonds émergence, donc justement pour des entreprises qui sont de moins de 3 ans d'existence et qui sont au stade de prédémarrage, qu'on veut aider dans la période de relance économique. C'est des prêts de 100 000 $ et qui peuvent aller jusqu'à 100 000 $ et qui, avec des conditions très, très souples de remboursement. On a aussi mis en place un fonds transition pour justement la question de la transition pour les entreprises d'économie sociale existantes qui entament donc un processus de transformation de leur façon de faire afin de s'adapter à la réalité post-pandémique, notamment au niveau, par exemple, du numérique, la digitalisation, la vente en ligne et ainsi de suite. On a mis en place un fonds relance spécifique, donc avec un fonds de travailleurs au Québec, donc un fonds de syndicats de travailleurs. C'est pour le financement de l'accompagnement technique, donc spécialisé pour les entreprises d'économie sociale, pour les aider à surmonter les défis de la crise sanitaire. Ces aides financières-là sont non remboursables, ça peut atteindre un montant équivalent à 80 % des dépenses qui sont admissibles dans le projet en question. Puis aussi, on a mis en place une mesure là, de 1,5 million pour explorer diverses opportunités offertes par le financement participatif en capital pour les organismes de l'économie sociale et solidaire. Il faut dire qu'on avait mis déjà en place aussi pour l'ensemble des entreprises et les entreprises de l'économie sociale, entreprises collectives étaient admissibles, des crédits de 525 millions dans la dernière année pour aider les entreprises qui avaient des problèmes de liquidité. Et ces argents-là, donc, étaient disponibles. Il y a eu des entreprises, donc, de l'économie sociale qui s'en sont prévalues. Au Québec, pour répondre à l'autre question par rapport à comment adapter nos politiques, donc, publiques, nos cadres aussi juridiques pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire, il faut dire que depuis 2013, au Québec, on est doté d'une loi sur l'économie sociale. C'est une loi cadre qui constitue, je pense, un geste très fort que le gouvernement du Québec a posé pour s'assurer qu'on puisse accompagner financièrement et aussi techniquement les entrepreneurs de l'économie sociale. C'est une loi qui est sous la responsabilité de notre ministre de l'Économie et de l'Innovation au Québec et ça oblige tous les ministères et les organismes du gouvernement aussi, donc à prendre en considération les entreprises d'économie sociale dans toutes les mesures et programmes qu'ils peuvent mettre en place pour les entreprises. Donc, les avoir au centre même donc, du développement économique du Québec. On a aussi institué, de par cette loi-là, une table des partenaires en économie sociale. Donc, pour revenir un peu au souhait de Mme Riddlestone, cette table-là conseille le gouvernement sur toutes les questions en la matière, ce qui permet notamment de développer des politiques publiques de manière concertée avec les acteurs de la société civile. Ça fait aussi en sorte que ça pérennise l'action et l'obligation pour le gouvernement de mettre en œuvre des plans d'action gouvernementaux en économie sociale, le PAGES, comme on l'appelle, et comme je le mentionnais plus tôt, donc, ça fait en sorte qu'à tous les 5 ans, on doit renouveler ce PAGES-là et c'est ça qu'on a fait donc dans la dernière année, comme je vous le mentionnais un peu plus tôt. À titre de responsable de l'application de la loi, le ministre de l'Économie et de l'Innovation, il doit s'assurer de la coordination gouvernementale de toutes les questions relatives à l'économie sociale.
Et c'est présidé donc par notre ministère de l'Économie et de l'Innovation. Il y a un comité interministériel en économie sociale qui est formé d'une vingtaine de représentants des divers ministères et organismes du gouvernement du Québec concernés par le domaine, mais aussi qui permet d'assurer l'harmonisation des interventions de tous en matière d'économie sociale. Et c'est efficace, je dois vous le dire. Le bras du gouvernement du Québec en matière de développement des entreprises et de l'économie au niveau financier s'appelle Investissement Québec. Et l'Investissement Québec, il a pour mission de contribuer aussi au développement économique des entreprises de l'économie sociale. L'organisation Investissement Québec compte en ses rangs une équipe d'une vingtaine d'experts spécialisés dans le financement des entreprises d'économie sociale et leur offre des outils de financement adaptés à leurs particularités, donc en termes d'entrepreneuriat social. Alors, le gouvernement du Québec a su adapter ses politiques économiques et ses programmes, et même dans la dernière année, on a agi de la même façon, puis on a assuré un accompagnement puis un financement des entreprises d'économie sociale. On a adapté donc nos programmes de tout temps et on croit aux acteurs de l'économie sociale sur tout le territoire, dans toutes les régions du Québec et on va poursuivre comme ça. Et comme je l'ai mentionné d'entrée de jeu, pour nous, For Impact 2021, ça va être très certainement inspirant pour la suite des choses. Merci. Thank you very much for mentioning that Pact for Impact is indeed. Merci beaucoup de mentionner que le Pacte pour Impact sera un grand défi pour 2021 et même pour l'avenir. Et il faut donc ramener tous les acteurs autour de la table et trouver des solutions ensemble. Donc, j'invite M. Haruna Niang qui vient de nous rejoindre. OK, merci beaucoup. Je suis très heureux d'être avec vous. Est-ce que nous parvenons à réduire l'écho? Oui, est-ce que vous m'entendez maintenant plus calmement? C'est parfait. You can go on. D'accord. Alors, merci beaucoup et je suis très heureux d'être parmi vous. Et depuis Bamako, je dis bonjour à tout le monde. Je vous remercie beaucoup pour avoir associé le Mali à cet événement consacré à la relance de l'Alliance Pacte pour Impact. Cette marque de confiance constitue un réel motif de fierté pour mon ministère et pour mon pays qui s'intéresse beaucoup à l'économie sociale solidaire. Permettez-moi de rappeler que le Mali a été très fortement représenté au sommet de lancement de l'Alliance Pacte for Impact en 2019 à Paris, à travers deux ministres, le ministre et le maire du district de Bamako et le représentant du réseau national de l'ESS, qui est aussi le président du réseau africain de l'ESS, dont le siège est à Bamako au Mali. Donc, le gouvernement du Mali a aussi accompagné l'organisation des 4e et 5e éditions de la rencontre des réseaux africains de l'économie sociale et solidaire en 2016 et en 2018 à Bamako, ici au Mali, ainsi que le 2e dialogue régional sur l'économie sociale et solidaire en 2019 dans le cadre des collaborations spécifiques avec les villes de Bamako, qui assure la coprésidence pour l'Afrique du Forum mondial de l'ES à travers le maire du district de Bamako, le Fonds mondial de développement des villes et l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Alors, pour répondre à la question
mesures d'urgence, quelles mesures d'urgence ont été déployées pour soutenir les acteurs de l'ES et de l'économie inclusive dans le contexte régional et sectoriel qui est le nôtre, et quelle a été l'efficacité? Je répondrai que les acteurs de l'ES bénéficient des mesures générales prises par le gouvernement afin d'atténuer les impacts négatifs de la situation sécuritaire et sanitaire au Mali. Les trois mesures principales prises pour soutenir l'économie sont les suivantes. 1. Le fonds de garantie du secteur privé a été doté d'un montant de 20 milliards de francs CFA destiné à garantir les besoins de financement des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries, des industries et de certaines grandes entreprises affectées par la pandémie. Des remises d'impôts au cas par cas et secteur par secteur bénéficiant aux entreprises privées impactées par les mesures de prévention du COVID-19, en l'occurrence les secteurs les plus sinistrés comme les filières touristiques, hôtelières, l'artisanat, la restauration, les sociétés culturelles, les transports. Toutes ces sociétés donc ont bénéficié de ces soutiens. Les crédits de toutes les entreprises sinistrées ont été restructurés et des orientations ont été données aux banques afin que les entreprises maliennes puissent bénéficier des concessions accordées par la Banque centrale. Pour bénéficier de ces mesures, les acteurs de l'économie sociale et solidaire ont dû s'organiser à développer des plans de contingence pour une réponse forte et bénéfique pour les secteurs dans lesquels ils évoluent. Sur le plan régional, le 27 avril 2020, les chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UMOA, ont adopté une déclaration suspendant temporairement l'application du pacte de l'Union pour la convergence, la stabilité, la croissance et la solidarité entre les pays membres. Cette suspension a amené les 10 pays à augmenter temporairement leur déficit budgétaire global et leur donnant l'opportunité d'accéder à un soutien extérieur supplémentaire de la part des donateurs afin d'accompagner la mise en œuvre des mesures d'urgence. Ces mesures profiteront largement à travers l'ESS et de l'économie inclusive aux entreprises locales. Deuxième question, comment adapter les politiques publiques et cadres juridiques locaux aux acteurs de l'ES et de l'économie inclusive? Le Mali, à l'instar d'autres pays africains, dispose d'un référentiel juridique pour asseoir le dispositif de l'ES, que je félicite. Il s'est déjà doté en 2014 d'une politique nationale de promotion de l'ESS et son plan d'action 2014-2019, élaboré dans la dynamique de co-construction avec les acteurs de l'ES et de l'économie inclusive. Cette politique comporte des actions en faveur de l'émergence de la croissance et de la professionnalisation du secteur de l'économie sociale solidaire pour une forte contribution dans le PIB. La politique nationale de l'économie solidaire et sociale a retenu 4 orientations stratégiques autour desquelles les actions pertinentes ont été bâties. Ces actions sont 1. Le renforcement institutionnel, législatif et réglementaire du secteur de l'économie sociale et solidaire. 2. Le renforcement des capacités des organisations et des acteurs de l'économie sociale et solidaire. 3. Le développement de l'information, de la formation et de la recherche en économie sociale et solidaire. 4. L'administration et le suivi de la mise en œuvre de la politique nationale de promotion de l'économie sociale et solidaire. Au titre des réformes législatives et réglementaires, nous avons en chantier
un projet de loi portant changement des statuts du Centre de promotion des systèmes financiers décentralisés en direction nationale de promotion de la microfinance, largement avancé dans le processus d'adoption. Un projet de loi d'orientation de l'économie sociale et solidaire pour les organisations de l'économie sociale et solidaire en cours d'élaboration. Pour matérialiser l'importance de la croissance inclusive au Mali, le gouvernement du Mali a initié avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers plusieurs mécanismes, dont les filets sociaux, le régime d'assistance médicale et d'assurance maladie obligatoire et un mécanisme de renforcement de l'inclusion, le MEREF, a été mis en place pour le refinancement des institutions de microfinance. La dynamique amorcée dans certains pays d'Afrique et au Mali en particulier, consistant à la co-construction de la politique publique par le gouvernement et les organisations de la société civile, comme le réseau national d'appui à la promotion de l'économie sociale et solidaire, favorise déjà la promotion d'échanges de bonnes pratiques, de discussions internationales et de mutualisation d'expériences diverses avec différents réseaux, tels que le réseau africain d'économie sociale et solidaire, le réseau intercontinental de promotion de l'économie sociale et solidaire dans une approche de vision partagée. Les défis des nouvelles formes de pauvreté, de la persistance du chômage des jeunes, du changement climatique et malheureusement de la pandémie du COVID-19 dépassent les capacités de l'État. C'est pourquoi nous devons travailler au renforcement de l'intégration africaine et au développement de la coopération internationale. Alors, la dernière question que vous avez posée... D'accord. Donc, dans le cadre des perspectives, nous avons le deuxième plan d'action quinquennal 2021-2024 de promotion de l'économie sociale et solidaire qui a été adopté en décembre 2020. Il prévoit pratiquement toutes les actions stratégiques, y compris les dimensions d'insécurité, de COVID et de partenariats multiformes en Afrique et dans le monde pour le quinquennat en cours. Nous serons heureux de bénéficier de l'accompagnement précieux de Pact for Impact et de tous les partenaires techniques et financiers pour sa mise en œuvre. Je vous remercie. Je m'excuse d'avoir été long. We thank you very much for this very extensive description. Merci beaucoup pour cette description très complète de ce qui se passe au Mali. Je suis très impressionnée de voir que vous avez soutenu l'économie sociale et inclusive de façon si différente et nombreuse. Nous allons désormais écouter Madame la députée au maire de Bamako. Madame, vous avez la parole. Monsieur le ministre, est-ce que je peux vous demander de couper votre micro, s'il vous plaît? Okay, vas-y. Merci. Bonjour à tout le monde, mesdames, messieurs les participants à cette table ronde. C'est un réel plaisir pour la ville de Bamako de prendre part cet après-midi à cet événement. L'Alliance Pact for Impact relative à la feuille de route sur l'économie sociale et solidaire. Mesdames, Messieurs les participants à cette table ronde, et je voudrais vous adresser les fraternelles et amicales salutations de Monsieur le maire du district de Bamako, qui est le vice-président de l'Afrique du groupe Social Economic Forum, que j'ai l'honneur de représenter à la présente table ronde. La mairie du district de Bamako est partie prenante du plan d'action national 2020-2024,
de promotion de l'économie sociale et solidaire, elle s'était déjà inscrite dans le cadre de l'élaboration de la feuille de route pour la promotion de l'économie sociale et solidaire dans les villes africaines par les élus. Depuis 2019, elle a été adoptée au terme du dialogue politique organisé à Bamako en partenariat avec le GSEF, l'OIF, le FMDV, le RIPES, le REAEPES, ESS, sous l'égide du gouvernement malien. Il s'agissait déjà d'élaborer les plans de développement locaux et selon une approche par l'économie sociale et solidaire en collaboration avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire afin de prendre en compte toute la dimension de l'ancrage territorial, la mise en œuvre du développement de l'économie sociale et solidaire comme réponse avérée à la lutte contre la pauvreté, le chômage, l'immigration des jeunes, tout en développant la cohésion sociale, le vivre ensemble pour la paix et la transition maîtrisée des villes africaines. La pandémie de la COVID vient nous conforter dans cette démarche tout en nous exigeant son adaptation à travers les orientations stratégiques de l'Alliance Pacte for Impact. Mesdames et messieurs, chers participants à cette table ronde, dans le contexte malien, face à la crise sanitaire aggravée par la crise politique et sécuritaire, le défi reste pour les autorités locales que nous sommes et surtout la proximité, comment atteindre le maximum de citoyens de la ville avec les moyens dérisoires dont elles disposent, comment assister les entreprises telles que celles relevant du secteur de l'économie sociale et solidaire fortement impactées par la pandémie du COVID. La mise en quarantaine, le couvre-feu, la fermeture des frontières, entre autres, ont provoqué le ralentissement, sinon l'arrêt des activités économiques, surtout les activités de nuit comme les bars, les boîtes de nuit, les restaurants, les gargotes, les boulangers, j'en passe. Les bonnes pratiques de l'économie sociale et solidaire ont été capitalisées pour mettre en œuvre des actions de résilience pendant la période d'extension de la COVID et envisager le relèvement dans la période post-COVID. Il s'agit en l'occurrence des mesures d'accompagnement aux entreprises destinées à faciliter leur accès au financement et aux matières premières pour confectionner localement les kits de lavage de mains, les équipements, les masques, etc. Les marchés pour la fabrication des kits de lavage de mains et de masques sont passés aux entreprises locales pour soutenir l'économie sociale et solidaire parce que ces entreprises évoluent la plupart du temps dans l'informel. Compenser les pertes de revenus minimisées et minimiser les impacts de la limitation de mobilité. Comme l'a si bien dit un intervenant, je crois que c'est Madame qui l'a dit, et une des mesures adoptées par le gouvernement pendant cette COVID, c'était aussi le couvre-feu qui commençait le 19h à 6h du matin. Donc, ça limitait un peu la mobilité des citoyens. Ensuite, la durée du travail, la fermeture des frontières avec l'accompagnement de l'État et d'autres partenaires, nous avons identifié et accompagné en nature et en espèce les personnes vulnérables vraiment qui ont été impactées négativement par cette pandémie. Je demeure donc convaincu que les collectivités territoriales africaines trouvent dans un tel cadre un terreau propice à l'incubation de l'économie sociale et solidaire avec des expériences transposables et la mutualisation des moyens à court terme. Mesdames et messieurs, parlant de la deuxième question, l'adaptation passe par l'application de ce que nous avons convenu d'appeler l'approche par l'économie sociale et solidaire basée sur le renforcement du dialogue responsable et l'action concertée autour des besoins, problèmes et préoccupations des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui évoluent dans les territoires. Cela passera entre autres par l'élaboration d'un état des lieux exhaustif assorti d'une cartographie dynamique, l'élaboration des politiques publiques adossées à des cadres juridiques favorables aux activités de l'économie sociale et solidaire, à savoir l'accès au capital de démarrage à travers des capitaux patients, l'accès au marché avec la suppression de barrières infranchissables par les entreprises sociales qui sont dans l'informel, l'accompagnement des formations et la recherche-action en économie sociale et solidaire. Aussi, le positionnement stratégique des entreprises d'économie sociale et solidaire dans les branches d'activités à fort potentiel de valeur ajoutée économique et sociale, de main-d'œuvre telles que l'agriculture, l'artisanat, pour mieux répondre aux défis du chômage des jeunes, des femmes,
et de l'immigration, ensuite la sécurité alimentaire et la santé communautaire. Aussi, il s'agit de renforcer ou mettre en place des conditions de création et de développement de l'entrepreneuriat social ou collectif dans les branches d'activité encore rentables, comme l'agriculture et l'artisanat toujours, à haute intensité de main-d'œuvre et de valeur ajoutée économique, sociale et environnementale. Aussi, il y a l'appui à l'innovation dans les filières d'activité économique, de prédilection des femmes selon les contextes géographiques et caractéristiques climatiques, ainsi que les opportunités de marché rémunérateur. Le partenariat entre les organisations et acteurs de l'ESS avec les collectivités territoriales sera renforcé pour relever les défis majeurs posés par la COVID-19 en termes de nouvelles formes de précarité, d'inégalité et d'inefficacité des systèmes classiques de santé publique, de production, de distribution et de consommation. Pour terminer mes propos, je salue et soutiens cette initiative sur l'organisation conjointe par les trois acteurs, à savoir les ministres en charge des finances, les réseaux, les associations de réseaux qui soutiennent l'économie solidaire et nous, collectivités territoriales. Il s'agit de soutenir vraiment l'organisation du premier forum panafricain sur l'économie sociale et solidaire, qui va peut-être nous aider vraiment à amoindrir les effets négatifs causés par la pandémie à coronavirus, qui n'a épargné aucune ville et qui vraiment, nous qui sommes les collectivités, avons beaucoup souffert parce que ça jouait aussi négativement sur les ressources internes. Je vous remercie pour votre aimable attention. Many thanks for this very interesting testimony. Merci beaucoup pour cette intervention très intéressante sur les réalités du point de vue des villes. Nous allons maintenant donner la parole à Monsieur Victor Van Vuren, qui est le président du groupe de travail Interagence des Nations Unies sur l'économie sociale et solidaire. Vous avez la parole, Vic. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de vous parler aujourd'hui. Je pense qu'il est important d'emblée de reconnaître que l'initiative Pact for Impact a été initiée avant la pandémie. Et nous devons reconnaître que les défis que nous avions sur le plan mondial existaient bien avant la pandémie. Ce qui se passe maintenant est beaucoup plus aigu. Nous sommes confrontés à beaucoup de tragédies. Mais nous n'avons pas atteint le potentiel de l'économie sociale et solidaire. Et je pense que c'est un point que nous devons noter dès le départ. Ce que nous avons dit par rapport à Pact for Impact est important. Nous allons travailler pour le soutenir, mais nous devons reconnaître également que les gouvernements vont constituer la clé. Il y a beaucoup d'institutions sur le plan mondial qui vont contribuer à Pact for Impact. C'est l'action décisive des gouvernements et les structures des gouvernements qui vont permettre à prendre des décisions décisives. Il ne s'agit pas de partenaires sociaux, il faut avoir un cadre réglementaire qui doit être créé. Et au sein de beaucoup de gouvernements, ceci n'existe pas. Nous devons reconnaître que dans certaines régions du monde, et nous avons l'entendu de nombreux intervenants aujourd'hui, il existe des choses en place sur les cadres réglementaires. Mais ceci constitue un élément de tous les pays au monde. Et nous avons un défi de déployer tout cela dans les économies en développement pour en faire une façon de penser courante. Cela doit faire partie de nos actions principales. Notre monde a été impacté profondément par la pandémie, mais nous constatons des changements dans l'organisation du travail dans divers secteurs. La fermeture de beaucoup d'activités, l'augmentation du chômage, ainsi que les mesures de soutien des gouvernements afin de maintenir l'activité économique. Tout ceci est très difficile. Les politiques sont très importantes. Nous devons mettre l'accent sur les gouvernements. Le gouvernement doit soutenir une relance large qui met l'accent sur
le chômage, la protection des travailleurs, le dialogue social. C'est cela, le SS. En termes de l'économie, nous devons avoir des modèles alternatifs qui mettent les personnes au centre et au cœur des opérations. Cette approche va nous aider à apporter des solutions à cette pandémie et à établir un développement inclusif. Nous devons inclure les organisations afin de s'assurer une meilleure reprise. Donc les gouvernements sont clés, mais les autres acteurs sont également clés et doivent fournir le soutien au gouvernement pour la mise en œuvre. Et c'est là où cette consultation envisagée par Pact for Impact devient très importante. Les gouvernements doivent mettre l'accent sur les causes de la crise et donc faire émerger une reprise de l'économie en construisant des systèmes de santé plus robustes et en créant un climat sain, durable et des sociétés plus résilientes. Les gouvernements doivent impliquer les organisations de SS en développant les mesures et c'est pour là que je dis que le processus est tout aussi important que le cadre. Les gouvernements et les gouvernements locaux doivent co-construire des politiques publiques dans les secteurs économiques pour une meilleure reprise. La complexité de la crise à laquelle nous sommes confrontés nécessite beaucoup de ressources qui demandent la coopération entre les secteurs privés et publics. Et nous devons voir comment nous allons interagir avec le secteur privé qui va également être clé à l'avenir. Les partenariats multipartites sont clés pour concevoir des politiques publiques pour surmonter cette crise et transformer cette crise en opportunité afin d'apporter des changements profond et permettre à la transformation telle nécessaire de notre économie. Les gouvernements doivent également encourager l'investissement à long terme dans l'économie et dresser des indicateurs en ce qui concerne le bien-être. Pact for Impact est nécessaire, nous avons tous les acteurs réunis, mais les gouvernements doivent être décisifs afin que nous puissions aller de l'avant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Van Vooren, pour cette intervention. Merci beaucoup. Nous apprécions beaucoup vos contributions, mais nous souhaitons donner la parole à Mme Emmanuelle Rédiel-Drouin du département de transition économique et financière de l'Agence française de développement. Vous avez la parole. We cannot hear you, Emmanuel. Est-ce que ça marche mieux? OK, désolée, c'est 2021. Merci beaucoup. Je travaille effectivement à l'Agence française de développement, qui est l'établissement public qui met en œuvre la politique de la France en matière de développement et de solidarité internationale. On travaille dans une centaine de pays, une priorité en Afrique, mais également en Asie et en Amérique latine. Et ça fait maintenant un an que nous sommes vraiment mobilisés à l'AFD pour répondre aux nouveaux défis qui ont été engendrés par cette crise sanitaire et économique. Et on est vraiment persuadés que la relance et la réponse à la crise doit se faire avec tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et donc, on a vraiment travaillé pendant cette année pour soutenir ces acteurs qui ont bien sûr beaucoup pâti de la crise. Donc, si je commence par les mesures d'urgence, ce qu'on a vu dans nos pays d'intervention et les actions de l'Agence française de développement ont été un petit peu construite autour de trois piliers. Je dirais que le premier, c'est vraiment l'apport de liquidités. Ça a été un gros problème pour toutes les entreprises sociales et solidaires. Le ralentissement de l'activité économique, le couvre-feu, toutes les mesures dont on a parlé jusqu'ici ont fortement impacté ces entreprises et notamment impacté leur trésorerie. Donc, dans beaucoup de pays, en tout cas dans certains des pays d'intervention, on l'a entendu au Mali par exemple, il y a eu des dispositifs nationaux qui ont été mis en œuvre pour surtout soutenir la liquidité des PME, mais qui ont pu bénéficier aux entreprises sociales et inclusives.
Côté AFD, dans nos programmes, on a continué bien sûr tous nos programmes et on a également pu décaler certaines échéances de remboursement. Je pense par exemple à l'accompagnement qu'on peut faire auprès d'incubateurs, d'incubateurs qui accompagnent des entreprises sociales et solidaires. Et il a fallu réaménager certains concours pour pouvoir accompagner ces entreprises dans le passage difficile qui a été l'année 2020. On a également dû réorienter des fonds sur certains projets pour aller spécifiquement sur les secteurs qui ont été les plus fragilisés par la crise. Le deuxième dispositif qui nous a paru très important, c'était tous les dispositifs de formation et d'accompagnement. C'est toujours important, mais en période de crise et pendant cette crise, c'était encore plus important. Et donc, on a continué, bien sûr, tous les programmes d'accompagnement. On est passé en distanciel, ce qui a eu aussi comme effet positif de pouvoir, quelque part, faire plus, d'avoir une plus grande diversité d'acteurs dans ces formations et de pouvoir avoir des échanges pair à pair entre les entreprises sociales et solidaires de différents pays. On a également continué notre programme d'accompagnement, le Social and Inclusive Business Camp, qui est un programme de coaching qui est dédié aux entrepreneurs de l'économie sociale et inclusive et qui a eu sur l'édition 2020 une thématique Covid avec toutes des activités sur l'équipe de gestion d'entreprises en période de crise. Et puis, bien sûr, après, on a également eu des actions plus ad hoc en fonction des contextes. Je pense, par exemple, à une entreprise de l'économie sociale et solidaire au Liban qui est très importante pour l'économie du pays et que l'on a aidé pendant cette crise parce que manque de liquidité totale. Et donc là, c'était vraiment des accompagnements plus pour revoir les business plans, essayer de les accompagner sur d'autres modes de levée de fonds, de fundraising, de plaidoyer à l'international. Et la deuxième chose que je voudrais discuter, c'est sur toutes les démarches structurantes qui ont été entreprises sur les politiques de soutien à l'économie sociale et solidaire. Et ça fait écho avec ce que disait M. Van Buren juste avant mon intervention sur l'importance des cadres réglementaires en soutien à l'économie sociale et inclusive. Et je prendrai l'exemple d'un financement que l'on a signé il y a quelques jours, c'était le 1er avril de cette année, avec le Maroc. Et donc, nous avons signé une convention pour le renforcement vraiment du cadre réglementaire du Maroc en faveur de l'économie sociale et solidaire et en faveur de sa déclinaison à travers la mise en place de pôles territoriaux de l'économie sociale et solidaire. Alors, comme vous le savez, autour de cette table, le Maroc est engagé en faveur de l'ESS depuis longtemps déjà. Ils font partie des pays qui sont très mobilisés pour valoriser l'impact de ces acteurs. Ils font d'ailleurs partie de l'Alliance mondiale pour l'économie sociale et solidaire. Mais je pense que ce n'est pas du tout anodin que le gouvernement et que le Maroc aient choisi de rassembler ses équipes sur cette thématique en 2020. Quand ils étaient, comme tous les autres pays, frappés par cette crise sanitaire. Et ce que nous disaient nos interlocuteurs au Maroc, c'est que leur ambition sur cette initiative, c'était vraiment d'unifier dans le pays le champ de l'économie sociale et solidaire, de faire reconnaître le secteur en tant que secteur économique et social à part entière, de clarifier bien sûr le rôle, les responsabilités des acteurs et d'asseoir les mesures incitatives d'accompagnement en matière de financement, de veille, de bonne gouvernance et de formation. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'important quand on met en place ces cadres réglementaires. Voilà, je termine pour dire que bien sûr cette crise est très compliquée pour toutes nos contreparties. C'est un défi, mais c'est un défi qui nous permet aussi d'interroger les modèles de production, les modèles de financement qu'on accompagne et de faire émerger cette économie de demain, une économie qu'on veut inclusive, sobre, résiliente. Et ces acteurs de l'ESS sont vraiment une brique très importante pour réaliser cette transition économique et financière. Voilà, je vous remercie. Thank you very much to all our panelists. This has Merci beaucoup à tous nos intervenants. C'était une conversation formidable. J'aimerais vraiment mettre l'accent sur le fait que ce que nous avons entendu des représentants régionaux, internationaux et des donateurs bilatéraux, ceci constitue une partie de l'histoire. Nous savons que le Pacte for Impact
va s'ouvrir à beaucoup plus d'acteurs au cours des mois à venir. Nous allons mettre l'accent sur les initiatives par la société civile, mais nous avons déjà vu de nombreuses initiatives qui ont été initiées lors de la crise, et nous allons faire de l'économie, nous allons faire de l'ESS un thème plus répandu. Nous allons maintenant donner la parole à Camille. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les partager via le chat et le secrétariat va pouvoir vous apporter des réponses. Merci beaucoup de votre attention.